Pour t'aider déjà dans un premier temps, quand tu m'as parlé de ton projet, enfin pas ton projet, mais de ce que tu faisais avec les enfants, le fait de les sensibiliser au recyclage, aux matières, à donner une nouvelle vie aux affaires qu'on jette, ça m'a beaucoup plu. Et quand tu m'as proposé de faire du bénévolat, bah, j'ai sauté sur l'occasion, parce qu'en plus, bah, étant enceinte, j'ai pas beaucoup d'activité, donc je me suis dit que c'était le bon moment. Et toi, t'as appris quelque chose aussi Ah oui, moi depuis je suis super créative, je fais des décorations de Noël pour mon sapin en tissu, je recycle plein d'affaires, ça m'a donné plein d'idées. Donc. Alors si vous aussi, vous souhaitez devenir un jour bénévole pour l'association Tadam, il suffit de nous contacter. On vous fera découvrir une manière de donner une seconde vie à vos vieux vêtements ou aux matières que l'on peut recycler. Ainsi, vous pourrez nous aider à transmettre notre savoir-faire auprès des enfants dans les écoles élémentaires de la CUS. Donc, si vous avez envie et que vous avez du temps, vous pouvez nous contacter et devenir ainsi une super Tadamette pour la planète.